jusqu'à maintenant, j'ai toujours présenté, et mes amis soufis le savent, j'ai toujours présenté d'un côté la mystique chrétienne et de l'autre côté la mystique musulmane, autrement dit le soufisme. Et j'aurai peut-être l'occasion de préciser pendant ma conversation avec vous ce que soufisme signifie, ce que le mot mystique signifie. Mais aujourd'hui, j'ai fait un autre exercice, et je vous laisserai juger de cet exercice, c'est-à-dire de montrer, quelque part, les éléments communs de la mystique. En fait, je ne m'y suis pas forcément positionné dans un camp ou dans l'autre, étant chrétien ou étant musulman. Non, j'ai présenté ce que, pour moi, évidemment, et sur la base de mes études, de mes approfondissements, de mes recherches, surtout dans le milieu, dans le domaine de la mystique musulmane, donc dans le soufisme, ce qu'est la mystique. Bon, c'est un exercice un peu difficile que j'essaierai de vous rendre le plus facile possible. Eh bien, même si la soirée n'est pas encore tout à fait achevée, je pense qu'il faut reproposer ailleurs cette même soirée, tant elle a du sens, elle est bien organisée, le cadre est magnifique, il y a des résonances entre ce qui a été dit, en particulier entre ce que j'ai dit, c'est qu'on entend dans les poèmes la musique qui chante, j'ai envie de dire, qui chante le même langage. Donc nous sommes déjà dans un espace spirituel et culturel de rencontre avec cette soirée. Je trouve qu'elle est de très très grande qualité, à la fois culturelle et spirituel en termes de rencontres, de culture, de civilisation. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Youssef et on est à Chambord. Et voilà, je voulais donner mon avis par rapport à ce qu'on a vu, par rapport au mystique. Et c'est vraiment très très intéressant et vraiment très mystérieux. Et franchement, surtout dans ce domaine de Chambord qui est en même temps adéquat à la discussion qu'on a eue par rapport avec le professeur. Et franchement, c'était très intéressant. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía. Ni yo miraba cosa sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Bonsoir, donc je me présente, je suis Sofiane Mazan, je suis adhérent à l'espace Georges Samprin de Blois. On est ici, on se retrouve aujourd'hui au château de Chambord. Aujourd'hui, on se retrouve ici pour une conférence sur le thème, c'est le mystique. Et tout ce qui était islamique, catholique, tout ça. Du coup, cette conférence elle s'est bien passée, on a passé un bon moment. Et c'était que du plaisir aujourd'hui. Abdallah Bouzekri, je suis un joueur de saz et compositeur égyptien basé à Paris et ça m'a fait vraiment très plaisir d'être là ce soir et de participer à cette soirée avec Jean-Marc Bourg et je pense déjà le thématique de la mystique me parle vachement en tant que joueur et interpréteur de musique orientale et aussi en étant égyptien et grandi dans une famille musulmane, ça me parle encore plus. Du coup, voilà,
c'était un grand plaisir et je suis vraiment content d'être invité.